C'est le menu de la semaine, le menu de la semaine. J'avais un bon gimmick, mais c'est devenu de la semelle. Le menu de la semaine. Ok, lundi. Lundi matin, je me réveille, la tête dans la corbeille de pain. La veille, j'ai suivi le lapin blanc jusqu'au pays des merveilles. Quelqu'un a éteint le soleil, le ciel est brun. Ça piquait un essaim d'abeilles dans la salle de bain. Mardi, j'avais une envie de poulet au curry, pas possible. On m'a fait bouffer du curé pédophile, j'ai eu mal au bide. Mercredi, à l'assemblée, je prends deux fois de la langue de bois. Y'a plus de petit personnel, Jack Lang n'est plus maire de Blois. Faut-il y voir une relation de cause à effet? Je ne sais pas. Mais je pense que ça mérite un débat. Qu'en pensez-vous, les gars? Laissez-moi finir. Je suis pas venu ici pour ça, écoutez, franchement. Merci. Jeudi, on sert la soupe sur un plateau de CNews. Islam à toutes les sauces, ça renouvelle pas souvent le plat du jour. Vendredi, je prends des amandes salement salées. C'est pile ce qu'il me fallait pour agrémenter mon thé à l'amande. Du coup, j'invente des mots savants pour insulter le gouvernement. Remonte la pente moralement comme un boucher couvert de sang. Samedi, dimanche, c'est déprimant, je commence le ramadan. Je suis à la diète, il faut que j'arrête les textes tachés apparemment. Comment savoir qu'il faut pas boire toute la bouteille de vin? Comment deviner que ça viner peut t'abîmer? Je suis pas de vin. Comment savoir qu'il faut pas boire toute la bouteille de vin? Comment deviner que ça viner peut t'abîmer? C'est 2020 qui continue. Cette année de merde veut pas claquer. Heureusement y'a Docteur Nivu pour t'aider à ne pas craquer. C'est 2020 qui continue. Heureusement y'a Docteur Nivu. Magnifique, merci pour ce premier freestyle. Freestyle, quoi. T'es coquin, toi, hein? T'es coquin!